Bonjour et bienvenue dans cette MG ZS V2, donc version 2022. Aujourd'hui nous allons parler tout simplement de la recharge. Ici, comme vous pouvez voir, nous avons donc le véhicule qui possède une recharge encore de 54%. Donc en gros encore 187 km à faire avec les 54%. Et il faut savoir que malheureusement, le véhicule n'est pas livré avec un chargeur. Alors, je ferme le toit pour essayer d'avoir le moins de reflets possible. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. On est en train de voir que le rideau est en train de se fermer. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez voir, bon, il y a un film, hein, donc c'est pour ça que ça brille énormément. Il y a un film. Donc, on a en fait un sélecteur. On peut demander à charger, donc à faire très attention, parce que si vous laissez par exemple là sur 40% ici, ça veut dire que tout simplement quand elle va se vider et que vous allez recharger, elle va s'arrêter ici. Donc ici c'est très important, mettez-le, voilà, en général à 80%. Ça c'est pour une utilisation, on va dire quotidienne, où vous n'avez pas besoin de beaucoup de batterie. Dans le cas où vous avez besoin de beaucoup de batterie, là, vous allez jusqu'au bout, au 100%. Ce qui vous affiche aujourd'hui, enfin ici sur le véhicule, 383 km, qui correspond à l'utilisation, donc à l'accélération, etc., que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si j'ai une conduite beaucoup plus douce, bien sûr, il va rajouter des kilomètres. Et si elle est un peu plus sportive, automatiquement, elle va en retirer. Voilà, donc chose à savoir. Au niveau de la gestion de la charge, vous avez une possibilité de recharger le véhicule. Non, c'est ici. Ah oui, mais je l'ai pas branché. Là, il reste 54%, donc 187 km. On est à peu près donc à 50%. Là, il n'y a que le trait de 50%, mais en réalité, on a 54, comme vous pouvez voir ici en bas à droite. Et du coup, c'est pour ça qu'on a légèrement dépassé le trait, parce qu'on n'est pas à la moitié. On peut effectivement recharger la voiture. Donc dans la gestion de la charge, je crois que c'est ici, voilà, tout simplement. Et là, on peut mettre chauffage de la batterie de traction. Donc ça, je vous le conseille de le mettre en hiver. Ça va réchauffer les batteries, donc elles vont s'user moins vite. Voilà, le calendrier de chargement, donc début de charge, si vous avez un compteur jour-nuit, donc avec des tarifs préférentiels, bah, vous le mettez à votre tarif préférentiel pour que ça vous coûte le moins cher. En l'occurrence, là c'est programmé pour 22 heures, certains abonnés, enfin suivant opérateur bien sûr, ça peut être plus tôt ou plus tard. Voilà. Ou alors si vous voulez tout simplement avoir une fin de charge, par exemple, vous savez que vous utilisez le véhicule à partir de 10h du matin, vous faites en sorte que la charge elle soit complètement terminée à 10h. Et donc là, c'est la voiture qui va gérer en fonction de l'état de la batterie, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, autoriser la charge après l'heure fixée, c'est-à-dire que là, j'ai mis 10 heures. Mais si on veut autoriser, ça veut dire tout simplement que par habitude, on utilise la voiture jusqu'à environ 10 heures. Mais on va dire on peut avoir un jour où on va prendre le véhicule qu'à 11 heures. Comme le véhicule est toujours branché, lui va continuer à charger si la batterie n'était pas encore chargée. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc oui, alors pourquoi je vous parle de la charge? Tout simplement que sur les versions ZS EV, deuxième génération, donc celle-ci, les véhicules sont livrés sans chargeur. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très important de le savoir, parce que les véhicules, logiquement, ils sont fournis à 100% de la batterie. Donc à la livraison, vous avez le véhicule qui est neuf, mais après il faut le charger. Et comme il est livré sans chargeur secteur, donc pour pouvoir brancher sur votre domicile, nous on va vous présenter donc le chargeur qu'on propose. C'est un chargeur de véhicule électrique et hybride universel et qui vous permet donc de charger depuis 8 ampères jusqu'à 16 ampères. Et là, je vais vous présenter la bête, qui est donc le chargeur. Donc ici, ouverture comme les Volkswagen. Et ici, donc, le fameux chargeur que nous proposons. Donc, c'est en version T2. Voilà. Donc ici, attendez, je fais une petite pause. Et voilà. Donc ici, le chargeur, tout simplement. Donc, vous voyez, hein, électrique véhicule, chargeur. Ici, on a un petit bouton tactile. On appuie et on sélectionne ici, en fait, un afficheur digital qui va nous indiquer, en fait, le temps de charge, mais aussi la puissance et puis l'ampérage aussi qu'on envoie au véhicule. Donc là-dessus, on envoie depuis 8 ampères, après on envoie 10, 13 et 16 ampères. Voilà. Donc ici, comme quoi, c'est bien allumé. En fait, il y a le petit voyant, là, le petit rectangle qui s'allume pour dire c'est allumé. Là, c'est en charge. Là, il y a un défaut. Il y a un deuxième défaut. Alors, la notice, tout simplement, elle est indiquée ici derrière. Vous voyez, on a pas mal d'informations ici. Alors, surtout sur ce chargeur, hein, donc vous voyez ici, hein, en bas, 8, 10... Alors, il fait pas 32. Hein. Là, peut-être qu'il y a encore des chargeurs qui font jusqu'à 32. Là, c'est plutôt 8, 10, 13 et 16. Voilà, et en termes de fonctionnement, ça va de moins 25 à 55 degrés. Donc, c'est IP65. Donc, il peut être mouillé, il n'y a pas de souci, à la pluie, etc. Il n'y a aucun problème, c'est bien étanche ici. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, donc, pour le 16 ampères, il faut que ça soit branché, bien sûr, sur une prise qui délivre bien 16 ampères et pas sur une prise traditionnelle où il y a une multiprise, etc. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de puissance et ça peut faire chauffer la prise ou voire même le câble, les fils électriques avant le chargeur. Voilà, donc à faire très attention. Donc 16 ampères, le chargeur le permet, mais soyez sûr que votre véhicule le permet aussi, parce que ce n'est pas... Enfin, pas le véhicule, pardon, la prise, enfin votre installation électrique le permettent, parce que ce n'est pas forcément le cas et ça peut engendrer des problèmes. Logiquement, sur les véhicules électriques, le chargeur le plus courant est un 8 ampères. Le simple fait de mettre 10 ampères, vous allez déjà réduire le temps de charge du véhicule dans les mêmes conditions que le chargeur fourni avec le véhicule. Par exemple pour le ZS EV première génération, mais aussi le EHS qui sont livrés avec le chargeur secteur. Voilà, donc vous pouvez récupérer le chargeur secteur si vous aviez déjà un MG ZS EV première génération ou le EHS. Vous pouvez l'utiliser pour le ZS EV2, mais aussi pour le Marvel sans aucun problème. Ce chargeur là, donc la prise elle est de type 2. Donc ce qui est courant sur les MG, et vous pouvez les utiliser donc sans aucune restriction, il n'y a pas de souci. En termes de longueur de câble, on a environ 5 mètres de longueur en tout. Entre la prise de branchement jusqu'à l'autre extrémité, on a environ 5 mètres en longueur. En termes de charge, donc vous avez le 8 ampères qui est exactement comme le chargeur d'origine du véhicule. Après, vous avez 10 ampères qui vous permet de réduire le temps de charge. Le 13 ampères qui réduit encore plus. Et le 16 ampères, donc là, qui divise par 2 le temps de charge par rapport au chargeur du véhicule. Voilà, donc chez nous, ce simple chargeur est disponible à la demande. Donc, tout simplement... pour 199 €, frais de port inclus. Voilà, et vous avez un chargeur universel que vous pouvez laisser éventuellement soit directement à domicile ou alors laisser dans le coffre. Ici dans le ZS version 2, vous avez ici un emplacement ici où vous pouvez mettre votre chargeur du véhicule. Et sinon, si vous avez tout le temps le coffre plein, à ce moment-là, vous pouvez le mettre ici lors d'un décache sur les côtés. Voilà, par exemple comme ceci. Et là, il ne gêne personne et vous pouvez continuer à utiliser votre coffre sans aucun problème, et voire même descendre ici, parce que ce coffre a la particularité de pouvoir descendre jusqu'en bas, avoir un coffre beaucoup plus profond, donc jusqu'au niveau ici du cache. On est à peu près au même niveau, et sinon on peut le rehausser. Donc vous avez ici le support pour la planche et il vient se mettre au niveau ici, donc on perd à peu près entre 10 et 15 cm de hauteur. Alors on perd oui et non, parce que on peut le mettre en version supérieure pour mettre des choses un peu fragiles, et du coup comme c'est une planche qui est assez solide, bah du coup ça évite à ce qu'elle soit écrasée. Voilà tout simplement l'information. Bon bah si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, donc Fan Club MG Motor FR, mais aussi sur notre chaîne YouTube Bassevelle Auto Services. On vous donne plein d'astuces et conseils. Voilà, et donc là c'était pour l'histoire du chargeur sur ce ZS EV. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.